moment, bonjour VOD. Suite de l'aventure sur World Legacy, on est juste après l'exploration de la grotte qui nous a débloqué les talents. Et j'ai mis tous mes talents un peu partout. Et du coup, là, on est en train d'explorer le reste de la cave. Où, en fait, la grotte nous a menés. Voilà. Voilà, en gros. Moi, j'ai une soupe thaï trop bonne. J'ai jamais goûté les soupes thaï. Mais depuis 19h, elle est digérée. Je commence à avoir faim à nouveau. Ouais, c'est vrai que... On va dire que les veloutés de légumes, c'est quand même un peu... Je pense que ça tient un peu au bidon. Mais les soupes asiatiques qui ont plus tendance à avoir... Qui sont très chargées en eau, ont un côté bouillon et tout ça, à moins que dedans t'aies des trucs... genre de la boue vraiment comme certaines soupes et tout. Ben je pense que t'es moins rempli qu'avec d'autres. C'est joli ça! Statue de dragon endormi. La devise de Poudlard, Draco dormien nunca titilandus signifie ne peut pas chatouiller le dragon qui dort. Titilandus, c'est chatouillé vous pensez? J'adore. Ah ouais, Drago dormienne, donc c'est Drago qui dort. Nuncam, personne. Titilandus, chatouillé. Trop marrant! Chatouillé en latin, c'est titilandus! C'est pas trop mignon? Titilandus! Oh, je trouve ça mignon. La soupe, c'est pas du vrai manger, Karatak. Non, mais c'est vrai que moi, je me disais ça à une époque. Je me disais, mais en vrai, une soupe. Même si, bah, moi, j'arrivais à être calé avec une soupe, mais j'avais un petit appétit. Enfin, j'ai jamais été. Jamais des appétits énormes. Salut, Kerrigan! Salut! Eh ben. Et bah, je me disais, mais en vrai, la soupe, bon, bah voilà, quand t'as plein de trucs à faire, ça remplit pas. Mais il y a des soupes qui te remplissent en vrai, ça dépend. Des vermicelles avec du poulet champignon. Ah oui, d'accord, ouais. Ça cale super sur le moment, mais ça dure pas longtemps. c'est vrai qu'à 22h, mais j'avoue que ouais, j'ai faim. J'ai souvent des petits creux, mais plus tard, moi. Mais vous le savez, vous l'avez déjà remarqué. Enfin, heureusement, cet impressionnant dragon endormi en pierre et plongé dans un sommeil éternel. Le chatouillé n'aura aucun effet sur lui. Nous allons tester! Bon, la petite clé. Ah mince, je voulais faire l'autre truc après. Bon, c'est pas grave. Zut! Non, les veloutés de légumes aussi, mais par contre, ça cale pas trop. Bah, moi j'avoue que ça va. Ça dépend peut-être, mais j'ai été étonnée au ski de voir que ça, avec après un petit morceau de fromage, ça me suffisait, quoi. À certains moments. À certains moments, bien sûr. Et puis ça réchauffe. En fait, c'est surtout ça aussi en hiver. C'est que vu que ça te réchauffe, t'as une sensation d'être calé parfois. Je sais pas si ça vous le fait. Quand vous mangez un truc bien chaud alors que vous avez froid, en soi, il paraît que c'est pas terrible, qu'il vaut mieux manger un truc un peu moins chaud, mais bref. Je sais plus pourquoi. Ah non, c'est un truc très froid quand on a chaud. C'est ça qui est pas ouf, je crois. Et du coup, je crois que c'est cette sensation aussi d'être très chauffé qui... Ah, ça fait du bien. Et je pense que ça participe à la sensation, l'impression d'être calé parfois. Bref. Mais j'adore ça. Cette urne particulière serait apparemment ornée de l'inscription pionnier dans l'apprivoisement de dragon. N'aurait pas dû commencer par Magyar à pointe. Ah, pionnier dans... Mais il faudrait une virgule. Pionnier dans l'apprivoisement, putain, des dragons n'aurait pas dû commencer par le Magyar à pointe. Magyar à pointe, et j'ai regardé le 4 aujourd'hui, c'est celui que Harry il affronte dans des épreuves cheloues qui sont faites pour essayer de tuer des élèves gratuitement. Ah, voilà, ça je me rappelle. Parce que des fois, j'ai cru comprendre dans cet univers, on se dit tiens... Et si on faisait un truc pour faire en sorte que des adolescents qui ont à peine qui maîtrisent à peine leur pouvoir et leurs hormones puissent un petit peu s'affronter dans des épreuves qui auront simplement pour but de tuer eux et même parfois leurs proches. Voilà. Bonjour Echo, normalement je t'ai dit bonjour il me semble, mais je suis pas sûre. J'ai peut-être oublié. Des bisous, bonjour à toi, sinon j'ai dit dans ma tête. Ce qui arrive très souvent. Et bref, étant cette épreuve qui vise à exterminer des élèves gratuitement, et ben, il y a un Magyar à pointe.
une surplace pour l'équipement. Merde, je vais devoir aller au village. Est-ce qu'il y a un TP dans le coin? Putain, je peux pas mettre de balise, ça rend ouf ça aussi. Il y a une énigme là, tout partout, hein. Bon, faut que je trouve un point de voyage rapide hein, pour pouvoir retourner ici parce qu'il y a une énigme clairement. Et il y a un énorme coffre aussi clairement. Non, on n'a pas eu des bisous. Mais si, des bisous, vous avez des bisous tout le temps. Toujours, je fais des bisous. Je n'en puis plus. On me dit, hey, tu fais des bisous tout le temps. Je fais, oui, je fais des bisous. Oh, j'ai pas de voyage rapide, j'ai été obligé. Ah oh non, mais je suis obligé de rentrer tellement loin. Si je continue un petit peu à avancer, il y aura peut-être. Mais j'avoue que là, ça me saoule. J'aimerais beaucoup avoir un voyage rapide proche de l'énigme. Peut-être que si je vais par là. Chou, y aura-t-il un point de voyage rapide? Quoi, encore les clés? J'ai pas le temps! Oh, mais il y a trop d'énigmes! Oh, j'en puis plus! J'en puis plus, point de TP, please! Il y en a forcément dans le coin, mais comment je m'éloigne? J'ai déjà oublié où j'allais. Ça dégoûte. Ok, je suis au niveau du jardin. Hall Nord. Ok, ça c'est le Hall Nord. Et ça c'est quoi? Ça c'est le clocher. Ok. C'est super, sûrement un point de TP. Ouais, je suis très très loin, mais bon. On va aller vendre. Je vais voir si au niveau de l'équipement, je suis à la pointe de la technologie. Ouais. Ça a l'air d'être bon. Et je me referai un total look, je pense, hein, après. Même si là, je l'aime bien. Ah, c'est les chapeaux, là, qui mettent dans la sauce. J'ai trop de chapeaux. Ah voilà, j'ai un chapeau qui est mieux. Tiberello. Pas mal le tuberé en soi. Y a... Je veux pas le mettre là tout de suite, mais il y a une idée, il y a un truc. Il y a une propale. Voilà, une proposition. J'aime bien les propales. Ah bon, on n'a pas. Hein. Ah, clairement pas. Ok, carte. On n'a toujours pas débloqué la salle sur demande, ça dégoûte. C'est de plus en plus masquant tes masques. On voit plus le visage. Ouais, mais alors, j'aime bien ce côté un peu Covid-19, tu vois. Guide du sorcier est bien pratique. Genre, ça fait très mystérieux. Et puis du coup, son regard, il a l'air moins blasé, il a l'air plus suspicieux. Vu qu'elle a pas son petit sourire. Là, on dirait plus ce qu'elle est en train de se dire. Je trouve que ça lui fait un air... voilà. Un peu de suspicious. Genre, attention, je t'ai l'œil. Genre, voilà. Genre, ça fait un air de ça. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas le reste de l'expression faciale. On voit plus quand elle fait... Ouais, c'est ça, on voit pas quand elle fait la moue. Bah, c'est pas plus mal. Parce que vraiment, ça m'énerve. Ça lui donne un air pas bien. C'est officiel. Comme c'est des poils. Oh, merci, Yannis, comment ça va? Me meurs. On va s'en aller. On va vendre des trucs. Est-ce que je vais après au lard hein? Ou est-ce que je vais pas après au lard hein? Ouais, peut-être. Hein. Peut-être on achètera des ingrédients. On ira à Gachifon. Oh, j'ai une quête là-bas. Attends, c'est quoi? Suivre les papillons. Oh, mais c'est cool. J'ai entendu Clémentine. Willard Zay. Ah oui, ça m'a déplacé. Je me disais bien qu'à un moment, j'avais une quête déclenchée quand j'étais passée devant des gens qui parlaient. J'avais pas fait gaffe à ce qu'ils disaient. Parler toute seule. Elle a parlé d'une nuée de papillons. Ok, bah let's go, je vais mettre un petit point. C'est quoi ça? Les meilleurs sous-produits. Une animalerie? What is that? On va tellement y aller. Définir comme étape. Non. Non, je veux... Voilà. Ceci qui a craqué sur son air blasé, du coup, maintenant, elle t'insupporte. Mais parce que je savais pas que, en pratique, c'est comme le diesel, en fait. Je pensais avoir un truc fiable, c'est-à-dire une expression d'une nana un peu blasée, mais genre blasée malicieuse, quoi. Allez.
Et en fait, au final, tel le diesel, sur route, je me rends compte que c'est une arnaque et que c'est pas du tout escompté. Super comparaison, en tout cas. Si vous avez, voilà, c'est bien. Donc que puis-je, maintenant que j'ai mon véhicule, je peux pas le rendre, j'en ai qu'un. Eh ben, je fais avec, mais du coup, je modifie un petit peu la carrosserie et tout des trucs que je peux pour un peu atténuer l'arnaque. Voilà, en gros. Mais j'aime quand même bien. Du coup, des moments où son air blasé est stylax. Dans ces cas-là, je refais un perso. Mais non, c'est bon. Mais non, mais en plus... En plus, au début, il n'y avait rien calé au niveau de sa coupe et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais modifier des trucs, ce sera mieux. Mais le temps que je fais ça, j'ai avancé et tout. Non, je refais pas une partie. J'en refais peut-être une un jour, on verra. Je ferai une Gryffondor sans envergure, là. Puis voilà. Puis on va tous s'éclater. Faut que je vende. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, tu toi, hein. Et pourquoi je laque toujours dans cette putain de boutique? Merde! Ah, les lunettes. Celles que j'ai, c'est des légendaires ou c'est des épiques? Parce que sinon, faudrait que je les remplace par celle-là. Ouh, l'écharpe! Banger! Je garde le banger. Je suis toujours avec un plateau qui me plaît pas à 100%. Oh non, ça, je me suis habitué, hein. Tous les jours, on pouvait rien choisir, là. Oh, ça me fout. Que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Moi, c'est le look qui m'intéresse plus que la veuve au visage. Ça, j'avais déjà fait mes courses. On a déjà... Ouais, on a déjà pris ce qu'on voulait. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... Là, ça tombe, je lui mets un masque. Bah après, en soi, de toute façon, en vrai, j'aurais mis plein de masques et plein de lunettes. Parce que dans tous les jeux, j'aime trop mettre des accessoires de visage un peu what the fuck et avoir l'air dans les cinématiques d'être complètement décalé. Du coup, dans plein de jeux, je le fais, je vois jamais le visage de mon perso. Ça, ce masque, je vous garantis que je l'aurais mis quand même. Hein, même si son visage avait été mieux peaufiné par mes soins. J'aime trop, moi, tous les trucs, tous les accessoires de visage complètement cons. Genre ça. Trop bien. Mais fallait que je change ses lunettes. C'était pas ça que je devais faire, c'était ça. Et c'était... Ok, j'ai 3 trucs 39, mais celui-là, c'est légendaire. Mais en vrai, j'aime toujours sa tête, moi. Hein. Genre, quand elle est comme ça, j'aime bien. C'est juste que dans ses expressions, lors de ses animations, c'est chelou. C'est comme ça. Ça veut pas dire que ce sera pas chelou avec d'autres. Hein. Je suis pas assez regardé les autres persos. Est-ce qu'on se ferait pas un total look? Moi, je pense que oui. Alors, nouvelle écharpe. Oh, affreuse, hein? Oh là là! Elle est dégueulasse! Mais on va pas changer maintenant. On va voir l'accessoire principal, genre... Est-ce que voilà. Oh, c'est d'une classiosité, mais ça fait un peu trop Merlin. Oh, ah bah non, mais ça c'était... Oh, mais c'est un autre manteau, c'était pas celui-là. Mais il est sympa, ce mental. J'aime bien la cape aussi. Ça aussi, j'aime bien. Le côté vert, comme ça, serpentard, tout ça. Quelque chose, hein. Pas bof, hein. Peut-être le manteau un peu... On se fait un style un peu draconique. Ça peut être sympa. Draconicon. Allez. Qu'est-ce que j'ai qui irait bien avec du draconique? Ouais, ça fait un peu... Ouais, je sais pas. Le problème, c'est la couleur, en fait, du manteau. Les petites griffouilles, là, et tout ça, les trucs dans le dos, j'aime bien. Mais la couleur est trop basique. Si je mets ça en dessous, ça va pas du tout. Enfin, peut-être que c'est ça qui irait mieux, en fait. Ou le pigemousse. Petit pigemousse, là.
beaucoup de tenues qui me convainquent. On fait peut-être pas le style draconique, on va peut-être faire ça plus tard. Hein. Quand j'aurai d'autres choses qui iront bien. Parce que c'est le manteau le plus important de toute façon. Ah, oh, celui-là est tellement badass. Mais on change un peu, on change un peu. La cape, j'aime bien. La cape, j'aime bien. Nous le sachons, j'aime bien la cape. Mais si je fais un style cape. Qu'est-ce qui se passe? Attends. J'ai un truc. J'ai cru voir un... quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Objet dorsal non identifié. Rendez-vous dans la salle sur demande. Oh, mais je veux identifier des objets! Mais je peux pas! Je veux pas. C'est ça qui irait le mieux avec ma cape en vrai. Hein. Mais bon, on l'a déjà mis cette tenue. C'est normal. Oh, j'aime pas du tout leur côté petite jupette avec des trucs là. Ça limite, ça va. Je vais mettre une tenue qui change. Je vais mettre ça pour le moment. J'aime quand même bien. Hop. Côté classieux, on avait dit. Donc ça, je garde. Et du coup, on va changer le style. Peut-être un petit peu brillant comme ça. C'est pas mal. Ça passe à travers la cape. On avait dit que du coup, c'était une idée de chiotte. Chape argenteuse. Ouais. Franchement, ouais, non. Ça aussi, non, je sais pas, petit truc argenté pour le moment. Le chapeau. Jupe et bonne grosse scène pour résister au climat écossais. Mais oui, c'est horrible. Pourquoi pas un petit chapeau? Oh ouais, je vais me faire un style classieux. C'était ça qu'on avait dit. Et du coup, pour un style classieux, il me faut des petites lunettes. Pas mal ça. Ça, c'est classieux ça. Voilà, une petite lunette comme ça. Ça c'est pas mal aussi. Pas mal aussi. Mais j'aime bien le côté lunettes de soleil un peu. Pour protéger mes petits yeux. Sinon, lunettes classiques comme ça. Mais elles manquent un petit peu de personnalité, toutes ces lunettes. Ah, celle-là, ça va. Là, j'aime bien. Là, vous voyez, ça va bien avec mes yeux. Enfin, les yeux de mon perso. J'aime bien les lunettes rondes, moi. Pas mal. Et les petits gants. Plus que les solaires? Ok, je vais changer. Je vais changer. Je vais mettre des petits gants un peu délicats. Non, surtout pas des mitaines, ça fait pas classe. Ça, ça va. Ça, c'est des mitaines tout ça. Ah non, mais c'est des gants complètement what the fuck. What the fuck, c'était bien grand mot, disons, des gants un peu foufou, quoi. Ça, c'est bien. Et du coup, je vais remettre les lunettes que tu as bien aimées. Donc, c'était genre... Non, pas du tout. C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Celles-là sont pas mal. Voilà. Petit style un peu pédant que j'aime bien. Prenez votre temps. Mais je veux voir... L'écharpe peut-être. L'écharpe ne me convainc pas. Je vais peut-être même l'enlever. Il y a un truc qui ne va pas avec cette écharpe. Bon sang. En fait, vraiment, celle-là ferait le mieux, mais ça va passer à travers la cape constamment, ça va me saouler. Éventuellement, celle-là. Et si j'enlève? Oh, je vais enlever, je pense. Hein. Bon, il manque un petit truc, un petit collier, je sais pas, mais je vais enlever. T'as rien de vert. Bah ouais, mais j'y peux rien. Les tenues que je trouve, c'est des tenues, voilà. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai déjà le serpent dans le sein. Mais non, j'ai pas d'écharpe verte. J'ai ça. Voilà, ça va être absolument hideux si je mets ça.
Je suis pas une fangirl pour être une fangirl par pur principe. Quoique, cette écharpe est pas mal en vrai. Je vais mettre celle-là. Mais toi, silence! Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Elle fait un petit peu. On est dans le style. Non, j'aime bien. Dispo ou pas dispo? Non, non, j'ai dit sur, sur mon annonce qu'il était pas dispo ce soir. En tout cas, je lui ai demandé. Il m'a dit bah, plutôt demain après-midi. Le truc, c'est que demain, moi, j'ai des trucs à faire en soirée. Il faudra que je bouge pas trop tard pour me préparer et y aller parce que ça commence à 19h. Donc, j'ai une heure de route. Donc, voilà. Enfin, une heure de route. Si je veux être sûr de pas être en retard. Normalement, il n'y a pas de grève à Bruxelles en ce moment. Il faut que je vérifie. J'entends tellement parler des Françaises que j'ai même pas checké s'il y en avait chez nous. Bonjour. Entrez donc. Tu viens faire les dispo d'envie. Mais non, mais en vrai, là, je suis sûr qu'on aurait pu. Hein. Mais c'est juste qu'il a dit, il a sûrement dit, oh, viens, on joue au Project Zomboid à ses potes. Oh, voilà, là, il joue au Project Zomboid. Hein. Il rate pas. Hein. Mais bon, il avait peut-être proposé déjà de faire une petite soirée Project Zomboid, machin. Et du coup, je comprends. Faut que je revende un truc. Attends, ça a vibré ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais j'avais jamais vu. Je peux le punir. Oui. Il y a une erreur dans général. Ah mince, de quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans général? Ah, mais oui, j'avoue, pardon. Mon frère est pas dispo. Oh, j'ai la fatigue. Enfin, la fatigue ou mon inadvertance. Là. Contrairement aux mannequins enchantés très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins de Gaël Chiffon ne servent qu'à exposer des dernières tendances du monde des anciens. Tout à fait, tout à fait. Non, non, il est pas dispo, il est pas dispo, désolé. Tu vas y arriver. Ouais, non, mais oui, mais en fait, je me relis pas. Déjà, de base, je fais vachement de fautes de frappe. Parce que j'écris mal au clavier. J'ai pas les bons réflexes, j'ai une très mauvaise dactylo, et ça c'est un truc qui pourrait être intéressant à améliorer. Et en plus, avec la quand tu rajoutes la fatigue, bon, ça fait vraiment un résultat mais pitoyable. C'est comme, bah voilà, pour ma soirée de demain, du coup j'ai envoyé un message pour dire oui c'est tout bon pour moi pour demain. J'ai envoyé c'est tout non. Voilà, du coup ça change quand même complètement le sens. Et je m'en suis pas rendu compte évidemment. Que pour des petits messages comme ça, tu te relis pas nécessairement. Je devrais. Je regarde encore quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Général. Mon frère pas... Mon frère... Et ben vous savez quoi? Voilà. Ce sera... C'est mieux. Mon frère pas est dispo. Voilà. Mon frère pas est dispo, tout à fait, tout à fait. Au bout d'un moment, hein, vous avez compris la phrase. Hein. Merde. Vous voyez bien que c'est compliqué là. Oh. Mais c'est une cage. Enfin, je sais pas en fait, qu'est-ce que c'est. Je n'ai aucune idée. J'en ai rien d'idée. Ok, truc d'animaux de compagnie, c'était où? C'était là, justement, je crois que j'y suis, là. Ouais, ça ressemble, hein, vu qu'on dirait qu'il y a une grande cage. Mais je peux pas encore y aller, mais oui, c'est encore verrouillé. Putain, on va pouvoir savoir... On va pouvoir avoir des animaux de compagnie, ça va être trop cool! C'est bon? C'est compréhensible maintenant ou pas? Alors, il y avait une petite quête dans le coin. Et faudrait que je fasse celle des bougies flottantes, mais il ne m'indique pas sur la carte la quête dans le coin, vu que j'en connais entamé une autre.
Voilà, on va faire celle-là. Le coup des bougies volantes, là. Pas des bougies, le coup des papillons. Les bougies, c'est l'autre. On fera tout à l'heure, on devra suivre une carte au trésor. Maintenant qu'on sait à peu près les comprendre, ça devrait le faire. Je vais y arriver. Ça va le faire. Tout ira bien, Lox, aujourd'hui. Ça va être super. Merci. Merci pour votre soutien. Merci. Bonjour Clémentine. J'aime ce fruit. Pardonnez-moi. J'aime. Vous étiez en train de dire quelque chose ? Ton fruit. Bonjour. Pardon. Je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Oui, oui, bah ils ont... Pas que ça à foutre, hein. Totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet. Non. Depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Papillons, la forêt. Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Oh ! Des réputations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh ! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Non ! Je vais réfléchir. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où il me mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurais jamais. Oh ! Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Putain, on tombe pas dans le classique, vous les jeunes. Vous les jeunes, vous sachez pas. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Alors, eh ben, cassons-nous. Comme ça, on va looter un petit peu des... bah, des trucs pour les popos. J'en ai combien ? J'en ai qu'une. Ouais, mais si je trouve des... Si je tombe dans un traquenard... j'ai un peu de sous, je vais peut-être en acheter avant de partir, des bobos. Parce que ça sent le traquenard, là. Vous ne voudriez pas... Suivez les papillons. Ça ne pourrait pas être suivez les araignées. Mon chaton. Moi, j'espère que j'aurai un pet et qu'il sera très moche et que je pourrai le caresser. Et tout le monde dira... Ah ! C'est quoi cette horreur ? Je dirais tais-toi ! C'est ma petite horreur. Toi, t'es moche! Et je partirai comme ça. Vous avez besoin de potions, en jetant de la boue. Il y a un patch du coup? Ouais. Il y a eu un patch. J'ai pas fermé, mon retour Twitch, d'habitude, je le ferme. Tu sens la diff? J'ai l'impression. Je pense que va falloir que j'avance un peu, mais il y avait beaucoup. J'avais plus de lag dans Préolag. J'aime bien. J'avais plus de lag dans Préolag qu'avant. Et là, qu'ailleurs ? Oh putain, la fatigue, waouh ! Et là, ça a l'air d'aller un chouïa mieux. Même si j'ai eu quand même du lag dans la boutique de fringues, on a vu. Donc on va voir en jouant, quand il y aura des particules à l'écran et tout, il n'y a pas d'outils de combat. Ah merde ! Ils vendent pas des popos... Ah mince ! Ah zut zut zut, ah bah j'avais tout acheté je crois la dernière fois. Et Odius. C'est quoi ça? Un orage autour de celui qui la boit. Kilox. Inflige des dégâts à proximité, recharge les sorts. Salut Grizzly Lion. Quoi le message épinglé? Ah oh, c'est à... C'est une longue histoire. c'est juste la traduction de ma fatigue d'aujourd'hui. Et du coup, il y a tout le monde qui me troll. Parce que j'ai un peu... Apparemment, j'ai un peu du mal à répondre aux gens sur Discord en étant compréhensible. Et je m'en rends même pas compte. Faut qu'on me le dise.
On me dit de corriger un message, je corrige. Et en corrigeant, on me dit, non mais lis ce que t'as écrit, bordel. Ah ouais, c'est presque pire. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est fou, hein, je sais pas comment je fais. Mais je suis dans un état de concentration beaucoup plus avancé. Les nombreux examens partiels, tout ça que j'ai fait en cours en n'ayant pas dormi. Je sais pas comment je faisais. Pour les valider. Genre, le dernier rattrapage que j'avais eu, enfin, le dernier partiel, c'était un rattrapage. J'ai eu 16, hein. J'avais pas du tout dormi de la nuit. Mais bon, voilà, je pense que je suis en burst à ce moment-là. Genre, je mets tout à fond, je pousse tous les trucs à fond, et après, je tombe. T'es dit, je dois m'y faire, comment tu vas? Elle fait un stream matinal. Exactement, c'était sympa. C'est sympa l'ambiance du matin. Même si j'aime bien ma commu du soir. Mais je vais voir. Si j'arrive à avoir un rythme un peu moins nocturne, peut-être en refaire de temps en temps. Parce que ça me permet de voir un peu des viewers que je vois pas trop d'habitude. Et puis ça change de quand tu coupes ton live, tu as du temps pour faire d'autres trucs. C'est fou ça. Truc de fou. Franchement, c'est une strat de ouf en vrai. T'as pas eu le temps de faire un truc avec ton live, mais c'est pas grave, tu feras après. T'auras le temps. Trop fou. Qu'est-ce que tu racontes de beau, ce commifère? Joli, hein. Est-ce que je refais la blague? Oui. Mouille de sa gueule. J'espère que vous avez le son. Si vous avez pas le son, ça nique un peu. Normalement, vous l'avez, mais moi, comme d'hab, les trucs que je mets sur le live comme ça, j'entends jamais. Donc, j'espère que vous l'avez. Sinon, ça doit être très gênant. Mais ça peut être très drôle, du coup. Allez, loutons un max et suivons les papillons. On a le son. Merci. Mais comment savoir si tu dis la vérité? Pas de musique ici. Y a rien. Voilà. Je savais, hein. Je sais pas qui croire maintenant. Ah non, y a rien. C'est le message, tu l'as désépinglé, j'avais pas vu. Non mais je veux là. Je m'en fous de ça, je veux les sangsues là, qui étaient juste à côté de ces ricochets à la con. Je vais faire des ricochets à la baguette, excuse-moi, mais giga feignasse. Je fais des ricochets, madame. Et vous? Il y a un ennemi. Oh, il y a des petits poupoules. Les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardsey aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Expelliarmus. Axio. Ah! Mais c'est pas malin de me battre avec ça. Expelliarmus. Ah non, c'est vert. Attends. Il va me tuer. Je fais n'importe quoi. J'aurais pas dû l'attaquer. Crois-moi, Lox, je l'aurais pas fait ça. Mais je sais bien. Non, mais on peut plus compter sur personne, là. Je vais boire un coup.
Attends le jeu. Non mais j'ai envie de garder ma popo de soin pour un truc nécessaire en fait. J'ai envie de tomber là-dessus. Et surtout que lui. Alors attendez, j'ai plusieurs... Attendez. J'ai mis des points dans ça. Ce qui fait que maintenant j'ai plusieurs... trucs de sort possibles. Ah ouais, regardez, j'ai pas de sort vert. Andoloris. Impero. Adacadabra. Mais ça c'est les sorts genre trop dangereux. Je me ferai des petits patterns de... Enfin des petits, je sais pas, des différents trous de sorts plus tard. Et du coup les papillons, ils étaient là. Et ils sont allés tout droit, donc faut que je suive. Lancer stupéfique sur un ennemi. Ah faut que je fasse... Ouais mais je fasse ça plus tard non? Oh non c'est pas ça que je veux mettre. Voilà, au moins ça me fait mes défis de duel que je vois, ils sont en fait derrière ma cam, c'est pour ça que vous les voyez pas. Et du coup, bah ça me permet d'avoir des points dans la catégorie duel là. Merde, mais quelle couillonne, je me protège pas au bon moment. Ouais, bravo moi. Ouais, faut que je fasse des trucs comme ça. Et comme ça en plus il y a du loot à côté. Et j'ai pas perdu trop de vie. Ah bah régène hors combat, je ne savais pas. Ah oh, ça va, si elle régène hors combat, ça va. Je ne savais pas. Alors les papillons, ils sont allés où? Tout droit ou à gauche? Je crois qu'ils sont allés tout droit, moi je les vois au loin là-bas. Non, je crois pas. Je pense que c'est par là-bas. Sinon, bah ce sera ailleurs. Très agréable de looter des trucs très loin comme ça, juste avec un petit coup de baguette, c'est cool. Oui, il y a des dogos. Une petite table ici, ravissamment placée. Ouais, des abeilles. Oh la vache! Ah, des os. Oh, je l'éclate, Axe. C'est violent, là. C'est trop violent. Les papillons, je crois que je les ai pas suivis. Hein. Mais ils apparaissent plus, en fait. Lundi, Grision, ce sera poker. Parce que c'est un truc gratuit. On te l'a proposé, d'ailleurs. Mais t'as pas répondu, je crois. J'ai pas fait gaffe. Un jeu de poker gratos sur Steam. Où t'as ton avatar. Tu peux looter des... Tu peux débloquer des skins, des trucs comme ça. Et comme ça, bah, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et ça nous fait un petit poker ensemble. Et on discute de tout et de rien. Et voilà. C'était un peu l'idée, quoi. Sachant que c'est un peu long, une game de poker, si on joue sérieusement. Dernière fois, déjà, on a fait une game pour rien. Et ça a duré un peu. Évidemment, c'est juste la thune in-game. Hein. Évidemment, je le précisais pas, mais je me dis que c'était important de le préciser. Voilà, c'est un jeu, c'est un vrai jeu. C'est pas une appli pour faire des paris ou des trucs comme ça, quoi. Il y a un fille qui est pas assez bonne pour ça, tu penses? Mais je vois plus les papillons ici, en fait, ils apparaissent plus. Du coup, je fais quoi?
ce que le jeu me dit, ouais, bon, je sais pas. Je vais essayer de les suivre. Si je vais à gauche. J'ai pas fait gaffe de par où ils sont allés. Fait chier. Oh, des braconniers, tout ça. Oh, un nouveau braconnier. Et voilà. Malin. Ce n'était qu'un coup de chance. Je m'ennuie à moi. C'est tout ce que tu sais faire. Oula. Non merde, je me suis trompé. Oh non non non. Non non non, je suis nerveux. Désolé, je suis un peu stressé. J'ai un peu stressé, j'ai qu'une popo, c'est stressant. N'importe quoi. Tu n'as aucun talent. Oh, c'est méchant. Je suis un petit peu vexée. Je vais essayer de tuer lui. Voilà. Mince, j'ai fait Lumos, bah oui. Nous le dernier. Il est là. Ah oh oui, c'est vrai que j'ai ça maintenant. Non, non, vise-le, je t'en supplie. Mais vise! J'aurais pas dû. Le braconnage, c'est fini pour toi. C'est trop un truc de méchant. Les braconnages, c'est pour les braconnards. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète, t'inquiète Grusion, je vis bien les combats difficiles. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de challenge dans le jeu du coup, parce que je me dis avec la magie et tout ça, c'est, enfin, tu peux vite en fait trouver une strat qui fonctionne et spammer cette strat. C'était un peu ça dans d'autres jeux Harry Potter avant. Et finalement, bah le, je dirais les réflexes qu'il faut avoir et dès qu'il y a plusieurs ennemis, et ben plus les cooldowns des sorts et tout ça, ça fait qu'en fait le jeu résiste un peu, il se sent pas. Pour le moment ça va, après... Non alors vise, c'est... Ah non faut que je les ramasse, putain j'oublie tout le temps, mais c'est qu'ils ont la même couleur que les pierres comme ça. Alors du coup j'ai eu coupon, j'ai eu coupon, j'ai eu coupon. Oh, c'est terrible. Réveillio. Allons dans la grotte alors que du coup j'avais prévu de faire plein d'autres trucs. Ah oui, moi aussi, mais bon, qu'est-ce que je fous là, en fait? C'est pas ça. Je devais suivre des papillons, mais je les trouve plus jamais, donc comment tu fais? Oui. Non, mais non, te rattrape pas. Noie-toi. Eh,
Et qu'en est-il du fantôme ? Bonne question, ça. Ruban bleu. Turban bleu. Turbo cool. Pas le bon jeu non plus. Non, mais effectivement, pour moi, c'est aussi pour ça, je pense, que je kiffe le jeu. C'est que je retrouve des trucs qui me font très penser à Fable. J'aimais beaucoup Fable. Alors, c'est cool. Ah ouais, mais les papillons, j'ai pas vu où ils sont partis. Du coup, je suis un peu dans la sauce. Parce que j'ai l'impression que même en ayant... Enfin, voilà, si je recharge... Non, mais j'ai pas rechargé un point de contrôle ou un point de sauvegarde. Enfin, je sais pas. Je vais retourner, je vais voir s'ils sont revenus, mais je pense pas. Bon, clairement pas. Trouver des papillons dans la forêt. Bon. On va continuer, je pense que c'était vraiment par là. Ils avaient l'air de suivre le chemin. Je vais continuer ici. Extreme danger. Je vais bien finir par tomber dessus. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Comment ça? Ah oui! C'est tout des ruines! C'est tout ripou! Gamine. Oh, c'est un peu plus qu'examiner là du coup. C'est une flax, c'est vachement foncé. Il y a l'huile. Je vais vraiment m'enfoncer dans une grotte et tout. Ouais, je crois, ouais. Allez, descends! Je comprends ce qui se passe, mais je fais des trucs. Moi, je pense que si je crame tout, ça me semble être une bonne idée. J'ai pris un truc. Ah, il fallait que je fasse ça? Je crois que je fais n'importe quoi. Professionnel. Voilà, j'ai fait l'escalier au calme. C'est facile. Incendio. Non, ça. Ah oui, non, faut ramasser. J'oublie. Action. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir faire. Je vous. Mais si, on est tous là. On t'a tous vu. On a tous vu moi. Doivent être attaqués à l'aide de sorts de feu. Ok. Attends! Je loot! Chier! Ah, ça n'a pas marché.
Non, on vit ça. Mais non, mais pas ça! Ah! J'ai pété un câble! Arrête de viser! Mais c'est pas des cibles, ça! C'est des cailloux! Merde! En plein combat, ton personnage, il vise des cailloux. C'est pas fabuleux, quand même. Non mais, où tu Je vois un truc. Ah, c'est pour la suite de l'escalier. Ok, arrête de viser. Ça va mal se mettre, hein. Ok. La machine digitale et GovCon sur PC, mais j'ai pas pitié. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux pour être avec vous? Ouais, ouais. Bah après, Munchkin, moi je pensais qu'il était gratuit, je pensais pas qu'il était à 15 balles, quoi. J'avoue. Vu que je sais pas si vraiment on va apprécier tout, c'est un peu délicat. Je sais pas trop. Mais c'est aussi pour ça qu'on choisit des trucs gratuits, c'est qu'on se dit que tu pourras venir du coup facilement. Mais ça commence à être compliqué. Ok. Bon bah toujours pas trouvé de papillon. On a switché sur Lara Croft. Same. Picture. Effectivement. Qui vivait ici. Mais après la différence c'est que moi j'ai pillé le tombe. J'ai pas trop fait exprès. J'ai commencé à faire plein d'interactions partout. Sans savoir le résultat. On a un PC pour ton anniv. Ah, c'est un gros cadeau quand même, un PC. J'espère que tes affaires sont en ordre. Non, mais je m'éloigne trop des papillons là. Regardez, je suis très loin là. Mais oui. On va retourner, on va essayer de. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Là, je commence un peu à bloquer pour savoir comment retrouver ces putains de papillons. Peut-être en ressortant et en rentrant dans la forêt, je vais les voir réapparaître de nouveau. Ce serait bien, ça m'aiderait. Bon bah non. Peut-être avec la lumière, hein, les insectes et tout ça, la lumière, c'est les trucs qui se savent ça. Suivre des quêtes de level 30? Ah bon? Attends. Non, les papillons ont pas de level. Trésor, faut que je fasse ça. Je vois pas de niveau indiqué. C'est comme ça, panique pas. Ah mais non, mais ça expliquerait pourquoi je galère... à trouver, peut-être qu'il me faut un sort que t'as que plus tard dans le jeu qui te permet de repérer les papillons. C'est pour ça que du coup, c'est pas de la panique, c'était en mode ah! Ah, parce que je suis pas censé faire ça maintenant? C'est bien de le savoir. Parce que pour le moment, papillon. Je vois zéro, hein. Mais j'avoue qu'on va peut-être être obligé d'y renoncer pour le moment à celle-là. Parce que je les vois pas en fait, ces putains de papillons. Et à chaque fois, mon point sur la quête, là, il m'emmène jusque là où je les ai vus la première fois. Sauf que il y a un truc, je suis morte, il y a un truc qui m'a attaqué, on a commencé à se battre, machin, et puis voilà, j'avais oublié par où ils étaient partis entre-temps, les trucs. Truc typique des mondes ouverts, oui, de partir faire un truc et d'aller dans des zones où t'es pas du tout censé aller et tout. Effectivement.
Mais ça va, là, je galère pas à faire les boss. Enfin, les boss, qu'est-ce que je dis, les mobs. Jusque, bah, n'ayant qu'une popo, j'ai pas envie de la gâcher sur des trucs, des mobs nuls. Ça me saoulerait. Peut-être censé faire Revelio de temps en temps. Pour les voir apparaître, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas par où ils sont partis. Ou allés, je ne sais pas. Est-ce que je peux réinitialiser la quête? Je pense pas, mais j'aimerais bien. Oh, c'est chiant, je l'ai commencé, je devais suivre des petits papillons, j'aurais été sympatoche. Et si ils étaient allés par là, tiens. Là, c'est là où des araignées, c'est un cul-de-sac. Genre, je les verrais au moins près des araignées. Non, bah on va en faire une autre, c'est pas grave. Et je me dis qu'en retournant dans la forêt, peut-être que ça va réinitialiser vraiment la quête. Genre, je sais pas si j'en entame une autre, ça remet celle-là à zéro ou des trucs comme ça, peut-être. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Oui. Trop stylé. Over Stylax. Non mais tout en fait. Plein de trucs là-bas. Je vais essayer de faire un petit tour, mais on va... Je sais pas. On va faire autre chose. De 50 pas 15, ok. Bah j'avoue que voilà, vu que je sais pas si ça va être sympa, je... Ça m'embête de faire acheter ça à tout le monde, sachant que je sais que Munchkin... Moi, pour avoir eu un jeu de société Munchkin, et ben on n'a jamais pu jouer puisque c'était trop long d'apprendre les règles en fait. Vraiment. Du coup, si c'est un peu pareil, j'avoue que je suis un peu... un peu frileuse. Point sur la map. Tu viens d'arriver toi, Gwen? Il vient d'arriver et après il s'étonne. Non mais c'est bien beau de donner des conseils, mais le mieux c'est de les suivre, de suivre ce qui se passe quoi en fait. Enfin, je sais pas, hein, c'est souvent ça aide quoi. Vous pouvez faire un résumé à Gwenaëlle qui vient d'arriver. Ouais, c'est ce que... Je vais en faire une autre et je pense que ça va reset la quête. Ça va, Gwen? Vous avez avancé un petit peu sur Grandit, on devait faire ce soir, mais on n'a pas avancé. Ça dégoûte. Parce que mon frère a fait d'autres jeux. Non, bah oui. Je pense aussi que... Enfin, non. Toujours pas d'infos. Et oui, comme toi, Sam, je pense que... En commençant une autre quête, ça va peut-être reset celle-là. Du coup, je pourrais voir par où il se casse. Ou sinon, je serais obligée de regarder... Enfin, je serais obligée... Je sais pas si ça me donne tant d'infos. Il faudrait que je vois par où ils partent les papillons. Je pense que les papillons, on est censé les suivre en courant. Et pas commencer à défoncer des mobs à tout bout de champ et s'arrêter. Et du coup, vu que c'est un peu labyrinthique, si j'essaye de les retrouver autrement... Et ben ça va être trop long quoi. Et je vais peut-être tomber dans des zones où je suis pas censée être. Donc quoi, on va faire ça plus tard. Bah, je sais pas, hein. Ouais, ça se voit. Hein. Oui, je vais commencer une autre quête. Je pense qu'il y a moyen que ça reset celle-là. En route pour
Comme ça, du Pegat et Perceval direct, et personne ne comprend. En fait, je me rappelais qu'il y avait plein, mais plein de trucs à retenir. Vraiment. C'était surtout ça. Et que ça avait l'air sympa, mais en fait, vraiment, tu passes du temps de fou à apprendre les règles. Et du coup, voilà, quand on connaît pas du tout l'univers, etc., j'ai un peu peur que le jeu Steam soit pas giga accessible. Quoi. De ce que j'ai vu, ça, je me suis dit, pas sûr. Mais jeu de plateau aussi ? Non ! J'avais jamais joué, justement. On avait essayé, hein. On n'a jamais pu. Hein. Déjà, je vais prendre mes petits trucs. On pense d'attributs. Ah, d'accord. Est-ce que... Donc ça, c'est validé. C'est en cours. Et c'est quoi qu'il faut que je prenne, ça ? Ah, j'ai des casques et tout. Ok. Skins. Sympa, ce truc. Mais c'est rouge. Rouge Gryffondor. Ils sont ouf. Avancer sur Grand City, il a fait autre chose et s'est absenté en ce moment. Ah d'accord. Je sais pas quand on en refera. Ouais, moi aussi. Avec mon frère, pareil, on a du mal à se capter. Du coup, bah c'est vrai que c'est chiant quoi pour avancer. Donnerait être qu'il est. Non mais ferme la gueule. Alors, d'accord, voilà. On va y aller, hein. Parce que... Non mais les monsieur, je sais tout, ça fatigue. Voilà, donc à partir de là, il faut suivre les papillons. Voilà. Le truc, c'est que je me battais. Du coup, j'ai pas vu par où ils sont partis. Mais le jeu, vu que tu dois suivre les papillons, il va pas te mettre des pointillés pour te dire « va faire ce chemin-là ». T'es censé là les voir et après les suivre jusqu'à la prochaine zone. Le truc, c'est que vu que je me battais, j'ai pas vu s'ils sont partis par là ou s'ils sont partis par là. J'ai pas vu s'ils ont traversé le pont là-bas ou s'ils sont allés à droite ici. Bref, vu qu'il y a pas mal de possibilités, j'ai fouillé, hein, mais bon. Le plus simple, ce serait de voir par où ils sont partis, en fait. Donc au pire, si ça se reset pas, j'aurai toujours la VOD. Mesquine, c'est pas un jeu, c'est un chat avec des petites pattes, il y a des petites pattes. Ah, ils s'appellent comme ça, les chats avec les pattes courtes, là ? Les pauvres petites abominations ? Qui sont incapables de faire quoi que ce soit solo. Les petits chats, ils sont trop mignons, hein, mais bon... Ils sont quand même vachement en galère, quoi. C'est vraiment un handicap, hein. Bon. On va de toute façon avancer un peu dans la quête, parce qu'elle est niveau 6, je suis niveau 18... Donc on va peut-être faire le cours de vol. J'ai quoi d'autre? J'ai Repulso, les papillons, les clés. Bon, les clés, on les fait petit à petit. Spectre de notre amour. Ah oui, c'était la carte au trésor. On va d'abord faire le cours de vol. Comme ça, on progresse un petit peu. Je vais peut-être finir par débloquer cette putain de truc. Et puis, si le cours de vol, ça voudrait dire qu'on va peut-être débloquer bientôt les montures volantes, des trucs comme ça. Je sais pas. On va faire ça. Du coup, on rentre à Poudlard. Allez pas te battre aussi. Mais sûr que si, je me bats, je suis Serpentard. Passe mon temps à tuer tout qui passe. Je veux pas aller contre la nature. Tu tiens un gros crapaud. Entre autres. Notre race aussi. Ça n'a pris de croisement pour les gens qui n'affichent pas car leur cul. Ah bah oui, hein, t'sais, les animaux, il faut qu'ils soient mignons. Hein. On s'en fout si ça fait... Si ça fait des bulldogs qui n'arrivent pas à respirer, des chats qui sont incapables de sauter, de chasser, de faire tout ce qu'un chat est censé faire, ou incapables de se lécher parce qu'ils n'ont pas de poils. C'est pas ça l'important. L'important, c'est nous. Petit cours. J'entends des murmures ici. Des endroits où on entend des murmures, je sais pas tout à fait à quoi ça correspond. Let's go! J'ai dormi dehors. Attrapez tout ça, balai, que l'on puisse commencer. Ah.
Monsieur Clapton. Bah, j'ai toujours mes chutes de FPS. Pardon, madame. Et si je ferme ça, peut-être que... Merci d'accueillir un nouvel élément dans un peu moins bien. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Et chez Serpentard, mais ils m'ont envoyé chez Gryffondor, trop sad. Ah. Ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels, comme les Tengu de Toyashi. Les quoi? Les Tengu de Toyashi? J'ai pas compris. Voyons si vous avez continué à vous entraîner. Oui. Pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien, c'est à vous. Et merci à son balai. Debout, 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 debout. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Ils ont des coquilles. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de sel, quoi. Du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. C'est marrant, prendre la maison qu'on te propose. Ouais, ouais, parce que j'ai fait aussi, hein. J'ai pris selon le questionnaire et tout. Je me suis dit pareil. Et si vous entendez mon sifflet, je trouve ça plus sympa, moi aussi. Atterrissez tout de suite. Debout, debout, debout. Bien. Pour votre première leçon, voler à travers... Bon, bah c'est cool, ça. Petit cours de vol, là. Ces balais sont la propriété de l'école. Ils ont des quatre pieds et des selles invisibles. Ouais, ça aide un peu, alors. Alors, comment sont les sensas? Ah, à la manette, la sensi est un peu chelou. Est-ce que je peux aller plus vite? Oui, je pense que je pourrais aller plus vite plus tard. Qu'est-ce que c'est ça? Monter, descendre. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? Dis-moi comment je vais plus vite. Mets des petits ventilos, on dirait à moi. Pour un défi plus relevé. Quelle vue! Sympatoche. Belle journée pour voler. C'est qui ça? C'est qui parle? Pourquoi il va plus vite que moi? Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Bah, je peux toujours le faire, elle débarque. Si elles étaient ici, je sais pas, en vrai, hein. Oh, il y a l'effet sur l'eau. C'est cool. Hein, c'est cool. Pas trop la sensation de vitesse, malgré tout. Oui, le pulpe. Mais on l'a déjà vu. Ça t'a mis juré, là. On sait qu'il est vachement sympa. J'appuie sur tous les boutons, mais... Oh, j'ai des petits lags, là, par contre. Petite chute de FPS. J'espère qu'en volant, vu qu'on va passer dans plein de zones... Ouais, je pense que ça va... Je pense qu'il va y avoir des petits freezes, des petits trucs. Et Infernal Angelus a activé le mode réservé aux serpentins dans cette salle de discussion. Non, mais merde. Tu as l'air de bien nous débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir faire quelque chose d'un peu plus difficile. Ça commence à s'engueuler dans le chat, ça s'affronte là. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'une serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une... Lance Time Outis. Je me trompe? De quoi? De faire quoi? Une serpentard comme toi pourrait te laisser tenter par une aventure de haute altitude? Ouais, complètement. Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Je crois que c'est juste un petit détour. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Let's go. Toujours aussi charmante. Oh, elle est très basique. Mais par contre, ça, là, le petit... Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Oui.
Là, j'ai envie de débloquer la vitesse un peu accélérée là. Je peux pas mettre en mode comme ça ? Oui, voilà. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant ah, pour accélérer. C'est rapidement. Ce que je voulais. Comment je fais ? Si tu dois te sortir d'une situation délicate. LT, c'est quoi ? C'est le petit ou c'est le grand ? C'est le grand. Ah, c'est mieux. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe ? Et voici le célèbre pont. Imagine toi, tu serais pas à moitié hypocrite, hein. Là, pour profiter un peu de la vue. De c'est sympa quand même. De c'est une vraie visite guidée, Everett. Ok. Quand tu t'as... Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a fait, Dick ? C'est la fin de la promenade. Oh, mais il y a une bestiole là, il y a des oiseaux et tout ! J'ai failli me prendre Edwige dans la gueule ! C'est génial ! Ah mais une barre d'ondu. Oui d'accord. Ok. Je me casse. Je vais faire d'autres trucs moi. Ah c'est pas tranquille. Descends ici. Est-ce que je peux me crasher? On va tester hein. Can I crash myself? Attends. Il faut qu'on teste hein. Oh. Oui. Ah, nous sommes des aventuriers du gaming. Nous devons savoir si... J'arrive pas à mettre parfaitement. Je suis trop à l'horizontale. Je suis pas à la verticale. Oh non, on peut pas se crasher. Ça dégoûte. Oh, j'aurais trop aimé. Ça aurait été tellement drôle. Et si je me prends des murs? Mais non, mais le jeu est beaucoup trop gentil. Laissez-nous nous faire éclater la gueule, là. Attendez, je vais essayer de foncer très vite contre un mur. Contre la fenêtre, là. Oh non, eh, franchement, je suis très très déçu qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'on puisse voler n'importe comment et qu'il y ait zéro conséquence. Que tu t'éclates pas la gueule, que tu casses rien, que tu risques pas de tomber. Oh, c'est trop décevant. Regardez, là, je fonce et je vais le plus bas possible et ça ne fait rien. Oh. Et franchement, ça enlève la moitié du plaisir si je peux pas faire mal à mon personnage et à d'autres gens. C'est pas grave. Tant pis. Peut-être que en dehors du cours, on pourra s'entretuer. Bah, sur un balai. Professeur, on essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clark. C'est le cerf d'aigle qui m'a emporté. Me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. J'avoue, les cerfs d'aigle, tous les mêmes. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous... Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. C'est lui, il m'a embarqué. Des mauvaises fréquentations, j'y peux rien. Malgré tout, vous avez bien volé. Ah, voilà. Elle m'a pas enlevé de points, je suis sûre. C'est lui, il m'a traîné. Belle baguette, tout à fait. Elle est là, ma baguette. Désolé pour l'histoire. Time outus. 60 secondus. Je n'en reviens à rien. Franchement, oui. Ce détour-là valait bien quelques points. Et hop. Moi. Très à l'aise. Ok, oui, je mange un yaourt. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. T'as qu'à sortir celui qui est coincé dans ton cul. N'hésite pas. Pardon. J'en rêve. C'est gratos en plus. D'aller voir Albi Wix chez Bobalet après Ola. Il adore. C'est pas si ma nouveau modèle. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Au revoir machin. Bon bah petit cours de vol, cool. Très très sympa. Là pour le coup, on a vraiment pu s'amuser, c'était cool. J'essaierai pas de nous mener à la baguette. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit d'ici... J'entends Sébastien dans mon oreille.
Retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Oui, bah c'est encore tes cours clandestins. Viens le courrier. Oh, Pépin. Hey, Perry. Il y a quand même moins de frise, hein. Le patch a corrigé des trucs. Si vous souhaitez empocher quelques pièces. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. On ne m'intéresse pas. Je vous en dirai plus de vive voix. Non. Bon, vous arrêtez tous de me laisser des messages sur ma messagerie mentale ? Je suis occupée. Franchement, c'est moins laggy hein, qu'hier. Même si les cinématiques galèrent toujours. Et qu'il y a quand même des zones qui sont laggy, genre, même si je sais pas pourquoi, la boutique de fringues, qui lag de ouf. Va savoir pourquoi. Alors que je vais dans la boutique de Bombec, où il y a plein de petites interactions d'animation, de trucs qui bougent. Et ben là, je lag pas. Peut-être une petite chute de FPS, mais ça doit être très léger, comme dans pas mal de zones où il y a un peu trop d'animation, j'ai une petite chute de FPS, enfin c'est léger. Enfin, dans cette boutique en tout cas c'est léger, mais... Ça va. Le petit patch il a aidé quand même pour le moment, je le ressens. À voir après si toutes les cinématiques galèrent comme tout à l'heure, même si ça allait mieux une fois que j'ai fermé ma page Twitch. Ok. On a combien ? On a une heure de VO2, ça va, on va faire encore des trucs. Est-ce qu'on ferait pas la petite quête... Oh, équipement, on va voir. La petite quête de... Je peux toujours pas... Oh ! J'ai plus de vœches. De la carte au trésor, ça peut être cool. J'aime bien ce look, il est sympa. Ah, il faut qu'on se refasse des popos avant. On va aller se faire des popos. C'est important. On va voir les défis qu'on a validés. Oh, joli ça. Ça peut être swag avec tout un équipement classe. Oh, le chapeau, je l'aime bien. En plus, il est vert. Je voudrais qu'on se fasse un skin tout vert. Serpentard, quand même. Collection talent. J'ai un talent. Cœur, il y avait quoi déjà ? De potégorie ici remplissent la jauge de magie ancienne. Oh, ça je prends ça. Je un peu au feeling. Hein. J'ai pas regardé s'il y avait des trucs de magie noire, mais c'est bien la magie noire. J'ai vu que t'avais clip. J'ai vu. Hein. Ok. Quête. Oh, je laisse tomber tous les trucs. Livraison urgente. Bah non, pas si urgent, ça va attendre un peu. Après, si elles ont été débloquées tout de suite après que j'ai fait mon cours de vol, c'est que je suis peut-être censée les faire à ce niveau-là aussi. Et mon cours de vol, c'est niveau 6. Je suis niveau genre 20. Peut-être pas plus mal. Bonjour le professeur Weasley dans le couloir au 7e étage. Apprendre un mauvais sort avec Sébastien. Ok. Niveau 6 et 8. Non mais j'avance beaucoup trop par rapport... Mais j'aime trop les quêtes secondaires, moi. Moi, je fais toujours ça. Non, on va faire... Acheter un balai chez Bobal. Ok. Les bougies flottantes. Allez, je ferais bien ça, moi. On va aller voir les bougies flottantes, la carte au trésor. J'ai pas regardé où c'était. Zut. Ah bah oui, mais faut que je regarde sur la carte. C'est ton inventaire. Mince. Ok, ouais, merci Linkola Gazou. On va voir si ça plaît ou pas. Si ça nous enjaille. C'est dans mon inventaire, mais c'est laquelle ? Les bougies. Ok. Alors, c'est cette carte-là, mais le truc, c'est que la forêt, bah, c'est peut-être la forêt... La forêt interdite. Bah, le truc, c'est une forêt, quoi. Mais il y en a plusieurs.
y a un pont, pas très parlant. Un truc avec des panneaux. Ah, c'est pas loin de la ville. Punaise, ça va être dur hein, de trouver. Une forêt, pas loin de la ville. Carte du monde. Forêt interdite. Un petit pont, et là-bas c'est quoi ces prolars? Et c'est quoi la petite bourgade? Ah non, Ranchayer. Il y a ça aussi. Sauf qu'il n'y a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une forêt autour. Je vais voir au niveau de la forêt interdite. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir. Ah bah c'est ça. C'est complètement ça qu'on voit sur la carte. J'ai un mal à mettre en raccourci, mais je crois pas que c'est possible. Faire une capture d'écran, sinon comme la dernière fois, mais c'était un peu chiant parce qu'en fait on voyait tellement pas les détails que ça nous aidait pas tant que ça. Fallait que je le mette en plein écran de fou quoi. Tac tac tac, faut que je passe là et que je passe un pont et que je suive les petites bougies. En gros c'est ça. Le truc c'est que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des bougies. Ah si si si, j'en ai vu. Si si si. Mais en pleine nuit ça peut-être mieux, je les verrai peut-être de loin. Là, c'est un pont, mais c'est un pont en pierre. Il est là-bas, on le voit. Par contre, faut le passer dans quel sens? Je sais pas du tout. Voilà, là, il y a des bougies. Voilà, il y a des bougies. Du coup, c'est que ça doit être bon. C'est bien dans ce sens-là, j'imagine. Et du coup, le pont, il est là-bas. Il y a un truc en dessous. C'est pas un truc qui se loot. Vous du matériel que vous trouvez acheté amélioré d'un 1 de quoi? J'ai pas compris. Mais du coup. Mais du coup, si je dois suivre des bougies. Est-ce qu'il y en a ici au moins? On voit pas trop de. Bon, je vois des petits machins, on va les looter. Ah, j'ai hâte d'avoir une monture hein, quand même. L'explo, ça devrait être plus sympa. Oh ah, il est triton en monture marron. Ah ouais, mais non, mais c'est toujours les mêmes que j'ai déjà. Ça, c'est chiant quand t'as. Quand t'as 60 versions d'un même truc, d'un même cosmétique, mais où t'as juste les branches des lunettes qui changent légèrement de couleur. C'est pas les plus fun comme type de cosmétique. Bon, je suis au niveau du pont, mais je vais regarder dans quel sens il faut que je le prenne. Oh, deux secondes. Mince, non, je peux pas faire comme ça direct. Ok. Je vois pas trop de repères. Je vais essayer de regarder. Imaginons c'est comme ça. Que ça marche. Putain, faut que je regarde. Ici
Sinon, dans l'autre sens, ça ferait quoi? Ouais, c'est comme ça. Ok. Après, je dois follow the bougies. Donc, effectivement, la nuit, ça aurait pu être sympa. Je vais me poser. Les bougies flottantes, en plus. Ouais, on les verra mieux la nuit. On va se reposer. On va attendre la nuit. Ça flotte pas des masses là. Ça bougie pas des masses non plus, ça. Ça ni flotte ni bougie là. Je vois pas de lumière. Ah, attends, là-haut. Non, mais c'est très très loin, donc ça m'étonnerait. Ça ressemble pas du tout à une bougie en plus. Je vais mettre un peu en hauteur et voir si je vois des lueurs. Mais ça, ça flotte pas, ça. Hein. Des bougies, mais elles flottent zéro, les bougies, hein. Pourtant, je le sentais bien. Si je vais par là... Oh, mais là, je suis juste des lanternes. Hein. On n'est pas du tout sur de la bougie flottante. Pourquoi la musique, elle s'excite? Il n'y a rien, il y a une poule. J'ai la peur des poules. Alors c'est dans l'autre sens. Même si dans la carte ça avait l'air d'être clairement dans ce sens là, mais bon. Je suis pas allée me faire des popos. J'aurais dû. Bon, maintenant on le sait, il y a des dégâts de chute. On va aller mollo. Ici, je vois une révision de cascade. Rébellion. Et peut-être des trucs. On retournera dans le coin. Lumos. Et si je vais, ouais, voilà, je tente. Si je vais dans l'autre sens, au niveau du pont. Ouais, les petites lumières, mais voilà, c'est pas des. Pas des trucs qui flottent, hein. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Il y a des braconniers. Ces comme d'hab. Ont connu des jours meilleurs. Ça, c'est un feu. Bah. Pas complètement spurt. Bon. Bah, là, je suis pas dans une zone très grande et puis il y a du voyage rapide, alors on s'en fout. Au contraire, ça me permettra de découvrir d'autres voyages rapides et d'aller encore plus loin, donc c'est pas plus mal. Mais le truc, c'est que je veux pas juste trop m'éloigner de l'endroit, mais est-ce que c'est possible que ce soit pas le bon pont? Je me demande. Voilà, on va regarder comme ça. On va remettre le truc. N'hésitez pas si vous voulez participer, hein, à moins que... Sauf si vous connaissez le jeu, évidemment, si vous connaissez la quête. Si vous connaissez pas... Je suis dans la forêt, j'ai passé ce passage-là. Là, je suis au niveau... Un pont qui quand même ressemble pas mal à celui-là. Il faut suivre des bougies. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon pont, mais le problème c'est que l'autre, qui est pas loin non plus, il est en bois, donc ça peut pas du tout être lui. Et après, on est dans il y a la cascade, et la cascade, bah, ça signe la fin du ruisseau, donc plus de pont après. Je connais rien et je peux pas aider. C'est pas connaître, c'est juste voir, en déduire simplement ce qu'on voit, hein, Grision. Hein. Y a pas de connaître ou quoi connaître quoi que ce soit. On va dire que c'est une carte au trésor, quoi. Hein. J'espère que t'es c'est le même principe dans tous les jeux.
Ah, peut-être Lumos ? Pas con. Lumos. On va tenter et puis je vais mettre sinon... Mince. Hein ? Peut-être mettre un peu de Revelio sinon on passe en le pont. Ouais, peut-être que les bougies n'apparaissent que si je mets Revelio. Puis là, il y a des trucs qui volent, mais ça, il n'en parlait pas dans la carte, donc ça n'a peut-être aucun rapport, vu qu'il y a plein de trucs dans la forêt. Attends, mettons, j'avance un peu, et je fais ça. Lumos. J'ai pas envie, je participerai pas. Sauf à vos obsèques. Moi je pense que c'est pas le bon pont en effet. Je commence à me dire ça aussi. Et du coup, il va falloir que je visite un peu plus la forêt. On va peut-être mettre ça plus tard quand, quand j'aurai passé des cours, d'autres cours et tout. Lumos. Ça a marché du coup la quête du balai pour les aides aux papillons. Ça avait pas l'air d'être les aides. Oh, je vais... Peut-être que je retente, mais je les ai pas vus en arrivant dans la forêt, alors je pense pas, malheureusement. Mais je pense effectivement que c'est pas le bon pont non plus, parce que mine de rien, il est quand même beaucoup plus... regardez. Beaucoup plus cassé que celui qu'on a dans le dessin, j'ai l'impression. Ouais. Sur le dessin, il a pas l'air si cassé. Moi, j'aurais suivi les trucs violets, tu penses ? Ouais, mais on voit pas. En fait, les trucs violets, c'est que si ça mène à un truc que je suis censé découvrir plus tard, bon. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Et là, il y a pas un pont ? Non. Bon, on a déjà fait hein, la zone en dessous le château. Oui, c'est ça. Là, on a des braconniers. On va se les faire vitesse. Ouais, c'est ça. C'est toi ? Roland, tu vas pire. Tu devrais pire. Faut que je pète tous les pots, moi ça me dérange pas. C'est un truc que je fais dans tous les jeux. Non, je vais effectivement retenter la quête des papillons pour voir si ça reset en la suivant. Parce qu'il y a peut-être ça aussi, peut-être que quand tu suis pas la quête, bah ça fait rien. Arène de combat de magie noire. Combattez des vagues d'ennemis dans cette arène de combat en utilisant des sortilèges impardonnables. Ah bah j'ai pas ça. Avada Kedavra, machin machin. Ok. Sortilège impardonnable brise tous les charmes du bouclier. Bah ça sera pour plus tard parce que j'en ai aucun. Je pense que c'est forcément les sortilèges qu'on apprend que en dernier. Et je vais voir si là-haut il y aurait pas des trucs, genre un pont mais qui passerait au-dessus d'un, au-dessus du vide et pas au-dessus de l'eau, de la flotte. Puis sinon, eh ben, on va remettre ça plus tard, c'est pas grave. Les cadavres. Kenavo, c'est la version button. Ouais, bah. Écoute, ça va bien. C'est une version un peu plus beurre salé du sort, quoi. Ça ne va pas m'arrêter.
L'ordre de la collectionneuse. Révélio. Quel plaisir de vous revoir. Bon bah au moins j'ai un TP en plus que j'avais pas, donc ça c'est cool. Mais je pense, je suis peut-être pas dans la bonne... Bah si, je suis dans la bonne forêt. Parce que ça, l'entrée, elle ressemble vraiment beaucoup pour le coup. Ouais, je sais pas. Mâche noire, pas la galette au blé noir. Ça fait longtemps que je vais manger une galette comme ça. Par contre là, je vois des petits trucs là. Ah mais oui, je les ai déjà suivis. Mais c'était... Bref. Un peu des dégâts, mais ça va. Je régène de toute façon. Là, il y a des bougies, là. Mais elles flottent pas. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Ou ça. Elles y ressemblent après, mais elles flottent pas. Il y avait écrit bougie flottante. Et du coup, j'aurais pas du tout eu besoin de passer ce pont. Enfin, je comprends pas, je suis loin. Et là-haut, je... Les branches qui vont pas avec l'arbre, j'ai l'impression. Non, les trucs qui vont pas hein, sur cet arbre. Oui, peut-être en fait. J'en sais rien. Je connais rien en arbre magique. Et en plus, les bougies, elles s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas ailleurs dans la zone. Donc suivre les bougies flottantes, bah elles flottent pas et puis elles sont... Bah, le chemin est court, quoi. Je veux dire, ça mène là. Bonne nuit, Carizo. Ouais, non. C'est pas le bon pont. Celui-là, il est tout lisse, tout beau. L'autre, il est tout pété. C'est pas celui-là. Ok. Eh ben, on verra. On va faire une autre quête. Peut-être qu'un jour, hein, je vais réussir à en finir une. Je vais voir suivre les papillons si ça reset, mais je pense pas, du coup. Hein. Sinon, on aurait vu des papillons à l'entrée. Mais on a point vu des papillons à l'entrée. Attendez, je regarde un truc. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a de l'eau? Bah moi je suis là. Je continue là. Mais la forêt est grande quand même. Mais après il n'y a pas des masses de flotte, donc les ponts n'aura pas beaucoup. C'est ça que je suis en train de me dire. Allez les papillons! J'aurai un travail normal. Trop relou les papillons. Trop relou. Ou alors faut que je sorte de la forêt? Ah mais c'est ce pont là! Attendez, c'est ce pont là! C'est complètement ce pont là! Ah fallait que je sorte de la forêt, pas que je rentre dedans! Cher Apollinaire, que dirais-tu de me rejoindre le temps d'un pique-nique? Je sais que tu apprécies les chaussons de Cornouailles presque autant que, les bons mystères. A très bientôt, j'espère bien toi, Richard. Attendez, je crois qu'on est bien en fait. Lumos. Ouais, ça m'a induit en erreur parce que l'entrée, elle était représentée comme si on arrivait vraiment dans l'entrée de la forêt et pas comme si on sortait. Alors, du coup, je vais la sélectionner en quête parce que sinon, je sais pas si ça risque de merder si elle est pas sélectionnée, j'en sais rien du tout. Dans le doute. Où tu dois trouver les bougies? Bah, en fait, le logo, c'est pour signifier, j'imagine, tu veux les bougies. On va regarder. Ah mince. Donc voilà, donc on est sorti, on a traversé le pont. Lumos. Ah c'est Lumos, ouais, ça c'est vrai. Et ça fait ça. Donc faut que je passe le pont en activant Lumos. Effectivement, on en parlait ça tantôt. Lumos.
des bougies enchantées. Je me demande où elles vont. Ok. Ah, je les suis comme ça. Bah, elles vont dans la forêt. Je refuse de côtoyer des craquements. Les bougies semblent nous mener jusqu'à la forêt interdite. Bah oui, oui, on en vient. Oh là, faut que je les surveille, hein. Je veux pas les perdre comme les papillons. Elles, au moins, elles attendent. Ils sont gentils. Les papillons, ils ont attendu que dalle. Ils font des petites feintes, là. Oh, mais oui, non, mais on sait, en fait, là où il y a les bougies. L'endroit qu'on a vu tout à l'heure avec le petit pique-nique et tout. C'est là, elle va monter. Mais oui, c'est sûr, c'était là. Le trésor ne doit pas être loin. On y était, on avait trouvé l'endroit. Je trouve peut-être romantique d'aller pique-niquer dans la forêt. Mais oui, bien sûr que c'est romantique, c'est trop mignon. Ok. On était au bon endroit, mais fallait faire le cheminement depuis le début. Et c'était good. Ok. Tout de suite, avec le bonbon, ça marche. Mais bah oui, c'était pas le bonbon. Mais parfois, j'ai du mal à comprendre les étapes de la carte. Et je croyais qu'il fallait rentrer dans la forêt, trouver le pont et suivre ensuite le pont. Mais en fait, il fallait sortir de la forêt, trouver le pont, re-rentrer dans la forêt et suivre. En gros... C'était un peu ça. Mais ça va, on a trouvé. Ok. Bon, on va... quête. Non, il n'y a pas Hibou Express. On va faire les autres trucs. Professeur Chaffre Répulso. Truc sur demande, on va la faire. La salle sur demande, bah oui, bien sûr qu'on va la faire. Je la veux. Il est grand temps. Il est grand temps. Il faut que je fasse là-haut. Là. Mais on va arrêter la VOD ici. Je vais faire pipi. Bisous VOD. C'était machin.